pouvez voir le soleil qui est en train de se lever juste ici là. Bah qui est en train de se lever. Ouais, qui est. Ah, il est midi quoi. Non, il est en haut. En haut c'est midi. Il est à moitié. Il est à moitié. Oh, il est même pas à moitié là. Bref, il est à peu près à l'horizon de 20%, 17% de degrés de. Oh, je t'ai perdu. De 8h24. Comment ça va les amis? Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Et comme dit dimanche, bah ça dit brocanche. J'arrive pas à faire les deux. C'est pareil pour le petit hier, là, j'arrivais pas à faire les deux mêmes gestes. Et là, je fais ça et ça. Bref, deux brocanches de prévu aujourd'hui. Regarde cette luminosité du lever de soleil. C'est un lever de soleil. On est encore en golden hour. Regarde. Le teint. Bref. Ouais, mais tu comprends. Les nuits sont courtes. Bref. Parlons peu, mais parlons bien. Brocanche, de prévu. Salel, 90 exposants complètes, ouais, techniquement. Ouais, c'est marqué complète. Et deuxième, Coursant. Peut-être complète, on ne sait pas, j'ai pas vu qui c'était. Non, c'était pas marqué. Voilà. Et c'est, ça sera tout parce que bah, ce matin, bah, aujourd'hui, surtout pas là-bas, à midi, il y a mon père qui vient manger à la maison. Et cet après-midi, on va chez CC. Eh, ça fait combien de temps qu'on ne l'a pas vu? La fois qu'on l'a vu, c'était à Lose, on l'a croisé. Après confinement. Donc ça date. Ouais, ça date. Sachant que au moins, ça fait au moins 6 mois qu'on l'a pas vu, qu'elle habite à côté du ville de chez nous. C'est abusé, mais bon, après on a chacun aussi le boulot. Ouais, non, mais c'est abusé. C'est abusé, franchement, c'est trop abusé. En même temps, même quand on habitait à 500 mètres, même pas à 50 mètres, les plannings font que on voilà. On prend plus le temps de. Non, mais y a pas le temps. J'ai pas le temps. Mon esprit vise ailleurs. C'est vrai qu'on prend plus le temps d'aller voir les gens et tout. Même la famille et tout, c'est abusé. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai invité mon père à manger. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas vu ton père quand même. Donc c'est un peu abusé. L'un chez moi. L'un chez moi. Ouais. Mais de toute façon, je pense qu'on est tous pareils. Ouais. Je pense. Hein. Est-ce que vous êtes pareil? Est-ce que vous. Vous faites votre petite vie tranquillou, mais je pense que c'est quoi à dire, mais à cause du coronavirus, je pense que ça y est. Oui, aussi, mais je te dis, maintenant on est tous pareils. J'en parlais avec mes copines, collègues, c'est mes copines, et c'est pareil. Ce qu'on disait, en fait, on se voit plus, nous, notre petit cercle, nous, que leurs copines. En même temps, ça, ouais, on papote un peu ensemble, voilà. Ouais, non, mais je pense que c'est tout le monde, hein, honnêtement. C'est comme quand on habitait à Châteauroux, je veux dire, toi, je prends l'exemple de quand je traînais, quand je faisais que du roller. Je traînais que avec You. Ouais. Et pourtant, je le passe pareil, je le voyais plus que ma famille. Oui, non, mais oui, non, mais c'est pas bien, mais après, c'est comme ça, c'est la vie. Oui, mais je pense que le virus fait que ça aide pas. T'as peur de refier à quelqu'un. Toi, là, est-ce qu'on va faire un bisou à ton père? C'est délicat en fait, ouais, mais bon, si on le fait pas, il va nous jeter en l'air. Voilà. Ouais, mais la pub elle le dit, si tu aimes ton. Bah oui, bah justement. Si tu aimes ton prochain, non, si tu aimes. Oui, si tu aimes ton prochain. Tiens-toi loin, voilà, c'est pas ça. Hein, bah, bref. Voilà quoi. Bon, bref, allez, on arrête de papoter ce matin, on part sur la première brocanche. Vous avez le canal de la Robine juste ici. Voilà. Et ouais, voilà, c'est tout. C'est juste pour info. En fait, ça, c'est joli ici. Ouais, nos brocantes sont vraiment pas loin. Donc, on a commencé à la maison quasi, hein, et on est quasiment arrivé. C'est au bout de ce canal là. Non, mais c'est de l'autre côté, on te rappelle. Oui, c'est au stade. Non, c'est pas un stade. Non, c'est pas un stade, c'est en face du terrain de tennis. Ouais, tu sais où il y a les. Ça se construit aussi ici. Bref, on raconte notre vie. Tu sais quoi, on reste comme ça. En live, je prends la caméra avec moi et tout, en live, on va essayer de trouver un truc en live. Non, parce que si tu regardes en live, tu vas rien trouver. C'est pas faux. J'ai remarqué ça hier, la semaine dernière. En fait, quand je me focalise plus, moins sur la caméra et plus sur ce que je dois trouver, c'est vrai que la semaine dernière,
c'était une main chanceuse. Aujourd'hui, ça sera aussi chanceux que la semaine dernière. Je te le dis, je le revendique. En retour, on a fait arrête de ma gueule. On a trouvé Dietrich. Toi aussi tu parles aussi vite alors. Non, non, non. Moi j'ai le style. Oui, non, mais moi c'est voilà, c'est que je pense que c'est à cause du boulot. Moi. Alors ouais, non mais tu vois, faut parler tranquille. Alors on est de retour après ces deux petites. Ouais, la dernière était grande. La première était, donc, comme on avait dit, 90 exposants, mais il n'y avait pas les 90 exposants. Il y avait plein de places vides et surtout, on est reparti totalement bredouille. Ben non, moi j'ai trouvé ça. Oui, mais c'est pas. Pas totalement bredouille. Ouais, ben, j'ai trouvé deux jeans pour Aya et. Bon, vous s'en foutez, c'est des jeans. Et ça, en fait, pour mettre dans ma salle de jeu, je vais mettre un coussin dedans. Donc après, c'est pas. À la base, ça arrange pyjama. Ça arrange pyjama et en fait Tinkerbell. Du coup, les enfants aiment bien s'affaler sur les coussins et tout. Donc voilà. Bah, on l'a vu, ouais, je l'ai vu. J'avais vu parce qu'on se sépare maintenant. Oui, pour avoir double chance de trouver des trucs. Je l'avais vu moi. Non, j'avais dit qu'il était. C'est à celui-là qui va trouver. Après, il y a. Dis-le. Ouais, d'accord, ça mange, j'avoue. C'est celui-là qui va trouver la meilleure chose. Après. Voilà. Après, on a fait donc sur cette première brocante, on n'a pas trouvé grand-chose. Et après, on a trouvé que de l'officiel. Et que de l'officiel, bon, pas mal de peluches, pas mal. Celle-ci, voilà. Une Winnie officielle Disneyland Resort de Paris. Ouais, donc je trouve Mickey de cette taille-là. Donc Resort Paris, hein, avant le Disneyland Paris tout simplement. Ouais. Donc elle doit avoir 10 ans peut-être, voilà. Donc plutôt content. Ouais. Ensuite, on a trouvé. Cette petite mini Disney, Disney. Donc, Euro Disney. Elle est super bien. Bon, après, ça se voit, franchement, elle est pas de ouf hein, au niveau. Mais quand tu regardes, la pseudo qualité. L'évolution, mais voilà, c'est une Euro Disney, on pouvait pas la laisser. Euro Disney et Noël en plus. C'est que, à force, je sais pas où on va les mettre les plus honnêtement parce que là. Mais si, je t'ai dit que je voulais changer la disposition. Mais je pense qu'on va avoir ça pour Noël, hein. Vu que je suis en vacances. Disposition et comme ça. On aura plus de place pour. On verra ça d'ici là. Ouais. Donc, une Noël. En plus, Corinne voulait absolument une mini Noël. Parce qu'il y a Nathalie. Nathalie. Oui, une Nathalie qu'on a rencontrée il y a 2 ans maintenant pendant notre trip. En fait, l'année dernière, elle nous a envoyé une peluche, mais je ne sais plus si c'est mini ou Mickey de Noël. Parce qu'en fait, avant. Elle est dans les cartons. Surtout, il y a un an, en fait, on n'était pas autant collectionneurs. Et donc en fait on rangeait le Noël, Halloween, tout ça. Maintenant on sait très bien que on a la Mickey Noël qui est là, qui est juste ici et maintenant on l'a donc il faut que j'aille voir dans les cartons de Noël, mais c'est que je sais pas où on l'a mis, dans quel carton, donc faut que je sorte tout. T'as vu qu'il y a marqué lavage en surface seulement, donc normalement elle passe pas la machine. C'est ce que je te disais la dernière fois sur les coups. Donc bref, plutôt 2 euros. Donc c'est moi qui l'a vu ensemble, mais elle voulait pas. En fait, elle s'est dit non. J'ai regardé, je vois Euro Disney parce que pour elle, en fait, elle pensait que c'était une truc. Je vois Euro Disney, elle me dit 2 euros, je fais. C'est clair. C'est pour moi. Ça devient n'importe quoi les pluches, mais bon. Surtout que techniquement, on avait dit qu'on collectionnait pas les pluches. C'est à cause de Mélanie Panda, ça. Mélanie Happy Together. Quand je vois ses vidéos qu'elle fait où elle fait voir toutes ses peluches, parce que vu qu'elle a déménagé il y a un moment maintenant, et elle fait voir régulièrement. Et quand je vois ces peluches, honnêtement, j'ai trop envie d'aller chez elle et d'aller la braquer parce qu'elles sont trop belles. Donc voilà. Alors si on va braquer, parce qu'on sait que tu regardes nos vidéos, alors le jour où on te braque, où on va te braquer... On va mermettre là-bas, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non. Ah, je pensais que tu allais aller chez... Non, j'allais dire, toi, tu vas lui braquer ses... Ah, et puis les boules à neige aussi, parce que c'est... Moi, c'était des tasses. Ah, moi, c'est boule à neige. Moi, j'allais braquer des tasses. Elle a une collection aussi. Très belle collection. Je sais pas si elle a déjà fait une vidéo totalement sur sa collection. Elle fait quelques petites parties, c'est ça? Une dernière fois, elle a fait voir ses boules à neige. Et comment dire, j'avais le filet de bave, là. Donc, voilà. Ils sont trop belles. Enfin, bref, voilà.
Et Nathalie, il faudrait que tu fasses une vidéo aussi. Ouais. Mais elle a une chaîne YouTube, Mélanie Happy Together. Oui, Happy Together, mais Nathalie. Non, Nathalie, au moins, Clochette, elle est sur Instagram. Clochette le retour. Le retour, ouais, pardon, oui, parce qu'on y avait déjà passé. Bref, on raconte la vie de tout le monde. Bah non, c'est juste les comptes. Et donc, tu l'as vu, quoi ? Ma tasse. Non, on reste sobre. Ah, t'es sobre aujourd'hui, parce que hier, c'était la fanfaronnade, quoi. Ouais. Bref, tasse Disneyland, Paris. Franchement, posé dans une cage. Par terre, comme ça. Honnêtement, ça, c'est débile qu'on l'ait prise, mais... C'est pas débile. Non, parce que voilà, c'est... Donc, tu peux remarquer... Ouais, voilà. Regarde, je cache la lettre. Non, tout simplement, c'est la même qu'on nous a envoyée après confinement, on va dire. Oui. Avec le R, et donc là, c'est le S, donc ça doit être la même série. Ouais. Et en fait, elle était par terre, elle est toute neuve. Ouais. Toute neuve, il nous l'a fait à 1 euro. Donc on s'est jeté dessus, on n'a même pas cherché en fait, à vrai dire. Et c'est après, on s'est dit, ouais, est-ce comme quoi, comme Stromin, Scroin, Saya, Ciel, et où ça dans? Non, mais c'est pas grave. Où sera Jean? Je sais chez qui. Mais non, voilà, tout simplement, on va l'offrir demain direct, en fait, tout simplement. Ouais. Pour 1 euro, on n'allait pas la laisser. En plus, c'est une officielle. Mais en fait, je comprends pas. Après, je sais pas. Je comprends pas les gens qui laissent. Voilà. C'était un monsieur. Un brocanteur, oui. Il est âgé. Et en fait, mais je crois. Il y en a qui connaissent et d'autres pas, comme toi, la nana. Quand j'ai demandé le prix de la peluche, elle m'a dit 2 euros. Et la nana fait ouais, ça fait. Elle fait mais non, elle vient de Disneyland. J'ai dit oui, non, mais c'est rien. 2 oui, euros. Mais là, elle est neuve. Je veux dire, encore une peluche, tu vas me dire, c'est pour un enfant, donc automatiquement, il joue un peu avec. Ouais. Mais là, celle-ci, elle a rien. Mais c'est pas grave, ça fera, j'espère, une heureuse. Donc, ultra content de cette petite tasse et de ces petites peluches. Ouais. Maintenant, comme a dit Corinne, on sait pas où on va les ranger. Ouais, là, faut qu'on... ce qui me saoule, c'est qu'on trouve que des mini. Et puis moi, je veux mon grand Mickey. J'ai espoir de la trouver en brocante un jour. Hein. Non. Si on l'a trouvé, mais il n'y avait pas son vêtement. L'avait à la grande comme mais il n'y avait pas son vêtement. Non, c'était Mickey ou Minnie ? Non, c'était Mickey. Ouais, Mickey. Et en fait, il n'avait pas voiture, de pantalon. Miskin, le pauvre, tout seul. Et en fait, il n'avait pas le vêtement. Donc, c'est vrai que sur le coup, je me suis tâtée. Mais ouais, je t'avais même dit oui, on va le faire, j'y ferai son champ. Du coup, non. De toute façon, on trouvera, je m'inquiète pas. Mais bref, bon, voilà. Bon, argent de tic et tac. Allez. Bon, après, on a vu d'autres. Hein. On a vu Polochon, on a vu Bourriquet. Bourriquet, ouais, après, ça commence. On a déjà vu Dingo aussi, mais finalement, on ne sait pas. Non, c'est Dingo. Mais après, Dingo, c'était hier, c'est chez Noz. Ouais, mais c'est pas des officiels. Bref, on va faire deux choses pour continuer cette vidéo. Je vais vous montrer finalement le sas aujourd'hui, voilà, que j'ai oublié hier. Il est quelle heure? Il est 20. Ouais, je vais. Vas-y. Faire ce que allez, va, femme. Il est 10h34. Faut que je regarde si ma vidéo d'hier donc est en ligne. Je vais vous montrer le sas tout de suite et je vais vous mettre une recette. Alors cette recette, je l'ai filmée il y a au moins 2 semaines. Je m'étais dit que j'allais la faire et la monter et voilà. Et en fait, j'ai jamais eu le temps. Donc je vous la mets en même temps. Donc c'est une recette du livre de la jungle. Allez, salut. Bon, j'avoue, c'était nul. Donc, recette enchantée, pas livre de la jungle, hein, bien sûr, le livre des recettes enchantées qu'on a récupéré à notre dernière visite à Disneyland. Et là, donc cette recette, c'est les muffins de Miss Justson. Je sais même pas, dans Basile. Bref, est-ce que je vous dis les ingrédients ou pas? Ou est-ce que je vous fais directement dans la recette? Je crois que j'ai dit les ingrédients. Par contre, nous, ils sont tous doublés. Et je le répète, je crois, plusieurs fois dans la vidéo. Donc voilà, bref, je vous mets la truc et je vous retrouve tout de suite après.
avec 90 g de beurre, mais comme je viens de le dire, vu qu'on double, nous ça sera 180 g. Hop. Hop. Il faut laisser fondre tranquillement le beurre dans le lait. Je vais mettre 6 œufs dans le bol de la machine. Une fois que le beurre est bien fondu dans le lait, on verse tout. Hop, et on remet. Dans un autre cul de poule, je mets 360 g. Vu que j'ai doublé, je préfère répéter au cas où. Hein. 360 g de farine. Hop. 351, 362 grammes. Je mets donc techniquement, hein, comme je voilà, c'est une dose, mais je vais en mettre deux vu que je double tout. Ça fera des muffins bien aérés. Hop, un et deux. J'ai séparé la pâte en deux. Donc là, j'ai mis du cantal et là, j'ai mis de la mimolette. Techniquement, c'est du cheddar, mais j'en ai pas trouvé au magasin, donc on va faire autrement. Voilà, donc j'ai mis de la mimolette. Il suffit juste de bien remuer et de mettre dans les moules. J'ai pris deux moules différents, donc un Halloween qui est orange et un normal qui est marron. Tout simplement pour pouvoir différencier au niveau du goût la mimolette et le cantal. Donc après, il suffit juste de remplir, pas totalement, parce que bah, ça gonfle avec la levure. On enfourne donc les moules entre 15 et 20 minutes. Après, ça dépend des fours. Les premiers muffins viennent de sortir du four. Donc là, on a un petit fantôme. Je vais faire un gros plan. Tac. Ils sont tout moelleux. Hein. Regardez. Hop. Donc cela, c'est à la mimolette. Et cela, pareil, tout moelleux, c'est au cantal. Ils ont l'air trop bons, trop appétissants. Servi avec cette petite salade et ces tomates jaunes et rouges du jardin, tomates cerises du jardin, oignons frits, salade, tout simple, et les muffins qui sont juste ici. Donc avec notre recette, on a réussi à faire 20 muffins. Franchement, je la conseille réellement. Après, nous, on l'a déjà fait plusieurs fois. On a changé les fromages, on a mis du cheddar. À l'origine, c'est du cheddar. On a mis du comté, on a mis un peu. En fait, on l'a fait déjà plusieurs fois depuis qu'on a, ramené ce livre. Et on a à chaque fois changé de fromage, même la dernière fois, dans cette vidéo. On a mis, j'ai fait même deux fromages différents dans la même recette. Voilà, on en a réussi, je sais pas si je l'ai dit, on a réussi à en faire une vingtaine et ils se sont mangés, donc à 5, nous on est 5, ils se sont mangés en un seul repas parce qu'ils sont tellement moelleux, tellement bons que voilà, ils sont délicieux. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, hein. Donc un peu de brocante, un peu de Disney cuisine. Voilà, on va se retrouver peut-être demain, pas sûr à 100%, j'ai énormément de trucs à faire comme je vous ai déjà dit dans la vidéo d'hier et celle-ci. J'essaie de me focaliser absolument sur mon jack et franchement c'est pas très intéressant à filmer, faut l'avouer, hein. Juste un timelapse de coller du papier, c'est pas de ouf. Voilà, mais je sais pas, on verra, peut-être que demain ça sera que de la cuisine.
ou que du blabla. Et il est où mon chat, Raja? Ou je ferai un puzzle, un nouveau puzzle. J'en ai encore trois autres à faire. Bref, bref, n'oublie pas, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et petit commentaire, fais comme d'hab. Voilà, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!